peux aller directement dans Donjon 8 parce que c'est assez cool. Tu te rappelles du Donjon 8? Celui de la... Il était facile. On l'a vu tantôt sur la map, mais je dans le vrai, c'était pas un donjon facile, c'était pas un donjon tout seul. Il y avait beaucoup de monsieur, mais t'as trouvé un truc pour les tuer si facilement que... Ah ouais, c'est ça. Les monsieur. Tuer les monsieur. Chevalier. Dark Knight. Voilà. Les noirs foncés. Serpent noir. On va prendre le warp, ça va aller plus vite. Pam, 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 pam. Sais-tu le faire, lui? Yes. Mm. Je me jette ça. Je sais pas si c'est une illusion d'optique, là, mais il y en a un qui est tout le temps plus foncé que l'autre. Il est foncé, il est pâle. Ben en fait, c'est que celui du milieu, il manque une marche. Ouais, puis ils sont pas pareils. Tout à fait. Ça. Alors, il y a tout le coin de la montagne. Bonjour, bienvenue dans ce 9e épisode, déjà. Donc, c'est la 9e semaine que vous êtes avec nous. Cette palpitante aventure. Et on va directement aller dans le donjon 8, mais ben, directement. Il faut traverser la montagne, une zone qu'on n'a jamais été. Si on regarde sur la carte... qu'on n'a pas beaucoup utilisé à la date. Alors le donjon 8, on le voyait tantôt, mais là on ne le voit plus. Il était en haut, il flashait la deuxième case en haut complètement, puis toute la zone qu'on n'a pas été en haut, il est là. Puis je me rends compte qu'on n'a pas visité aucun... Il y a des zones qu'on n'a pas visité, mais peut-être que c'est là, peut-être le 9e château. Non, le 9e, c'est la place de l'ancien château, fait que je me demande qu'est-ce qu'on a fait. On n'a pas été. Même dans la forêt? Bon, ok, ben écoute. Il y a des zones inexplorées. Peut-être qu'on fera juste une petite exploration en fast-forward après. Juste pour dire que on est consciencieux. Est-ce qu'il doit y avoir des cartes à les cacher maintenant? Oui, je pense pas qu'on ait de cartes. Ça dépend juste sur le point. Une compression. Toujours satisfaisant de finir un jeu à 100%. Perfect. Hey, merci. J'en ai pas de besoin. C'est toujours gentil de se faire donner quelque chose qu'on n'a pas de besoin. Comme une fée. Ah. Je trouvais que ça ressemblait à des poulets avant l'intervention. Moins là, ça ressemble plus à des roches. Une texture trop. Ouais. Mais dans un, c'était. De poulets. Comme des petits poulets qui tombaient, c'est pas clair. Bon, ça commence avec un coffre qui doit être juste une clé. Ah non, c'est pas clair. Alors, comme on peut voir, on peut faire ça comme ça. Peut-être dans l'autre monde. Si on tourne 40 fois, il y a un trésor qui apparaît. Ok, le trésor est déjà vu. C'est dans l'autre monde, excusez. Bon. Ok. Bon, ça, c'est un cas de grappin. J'imagine que l'arc, c'est le moins utile. Avec ce combo-là, on devrait être poté ici. Ouais, ces trous-là sont bien faits, ils nous aspirent pas. Comparé à d'autres. Là, on va fouiller les deux mondes parce qu'on n'est jamais venu ici. Bon, c'est le même ami. Et ici en bas, il y a peut-être de quoi, mais j'ai l'impression que si on descend là, on ne pourra plus remonter. Donc, j'irai pas de suite. Ça me parle d'une zone vraiment à part. Ça continue. Continue en haut. Ah! Il y a un nouveau pont dans le Dark World, par exemple. Qu'il n'y a pas dans l'autre. C'est tellement mieux fait. Pourquoi? Hein? Ok. Oh!
Non! On ne peut plus tomber dans les trous. Ah, moi j'ai oublié de vérifier s'il y avait quoi. Ah non, je suis perdu. Tu voles ou tu vas tomber quand même? Je vais te montrer. C'est pas pour ces affaires-là, c'est surtout dans les donjons. Tu voles. C'est comme s'il y avait du plancher par là. Puis t'as pas besoin de peser sur B. C'est juste tes os. S'ils sont dans B, tu marches. C'est quand même bien fait. Sinon, ça va être compliqué pour enfoncer B. Mais enfoncer un bouton, c'est pas facile. On l'a vu dans les premiers donjons, c'est qu'il fallait venir enfoncer le feu. Puis là, il fallait venir engager un nain pour qu'il se mette ici avec la troisième main, tenir le feu avec ses petits doigts. Pas facile, ça. Pseudo-satisfait. Très insatisfait. Ben, une clé! C'est mieux que rien! Non. T'en as juste 10, puis on a 10. Mais tantôt, j'en avais 12. Ouais, mais c'est ça. On va être là sur ces clés pour le dernier monde. Oh! Un double kill. Ah! Ça, c'est chiant. Ça se fait pas, les affaires. Donc, on ne descendra pas ici parce que ça remène clairement au début. Que je me dis, pourquoi vous avez pas caché de quoi là? Ça veut dire ça. Ça, c'est quand même cool ce genre de vue-là qu'on n'avait pas dans le dernier. On est rendu. Facile de même. On doit passer à travers. Où ça? C'est dans la map. Ah ben oui, c'est dans... je sais pas. Ouais, sûrement. Non. Bon, on va continuer. Sinon, il va manquer une... C'est comme une forme de clé un peu. Il y avait des branches parallèles. Si on voit qu'il manque une branche, on va savoir. Mais avant, c'est là qu'on prenait le livre, je pense. Le bout là. Ouais. Puis en haut, complètement, t'avais la clé. Il y avait deux trésors dans ce donjon-là. Puis on pouvait aller les chercher, les trésors, plus tôt dans le jeu. Ah, c'est là qu'il faut juste t'équiper tes bottes, puis tu vas être tellement. Les bottes sont rendues bleues au lieu de rouge, tu peux voir. Ouais, c'est que tu fais juste les bottes. Ouais. Tu fais juste marcher. T'as pas besoin de rien peser. T'as-tu ressenti un peu de plaisir? Ouais, je vais aller garder pendant une boîte. Bon. Mais tu sais. Quelqu'un a petite bombe.
Marie, qu'avec ton épée, ça va être facile. Mais... Si tu veux pas gaspiller tes bombes, les garder pour les passages. Ah, tu l'as. Okay. Non? Non? C'est un reverse kill. Ok. Oh là là, comme c'est dur. Je me rappelle parce qu'ici, il y en avait plein puis de garochait du feu en même temps. C'était ouais, chiant, c'était... ce donjon-là. T'as des flèches aussi, hein, si ça tente de t'amuser. On a 49 flèches. T'as une clé pour le passage aussi. Non, exactement. Ça, c'est une règle de base dans les vieux Zelda, dans Zelda 1. S'il y a quelque chose dans la pièce, comme une clé ou un objet, il n'y aura rien qui va apparaître ou il n'y aura pas de... d'escalier. C'est jamais arrivé qu'il y avait deux choses. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre cours à donner. Ben, ça reprend les flèches. Je me rappelle que c'était un donjon qui était quand même difficile, mais qui était pas si pire comparé au, au 6. Le 6, selon moi, c'était le plus dur de la gamme. À cause des fantômes. Dans le Zelda 1 original. Puis là aussi, on a eu quelques problèmes avec le 6, mais... Le 8, il y avait beaucoup de Dark Knot, mais si tu prends ton temps, les Dark Knot, tu peux les déjouer. C'est plus du skill, tandis que... Les fantômes sont très aléatoires, ils vont en diagonale, ils garochent des fois plein de beams en ligne. Oh. Attends, là. Yeah. Oh, il est gentil. Il est vraiment gentil. Compris ce match-là. Là, t'es dans le haut. Non, pas à droite. Non, pas besoin. Ah, t'en as pas été à gauche, par exemple. Ah, ouais, t'es ok. On va à droite, puis on continue de monter. Donc. Sinon, tu. À ta droite, si ça passe, ça passe. Le livre! On se rappelle que tantôt, on a vu une petite madame qui disait qu'elle voulait lire. Tantôt, ça fait une couple de semaines. Il y a quelques semaines, on a vu une petite madame qui voulait lire. Hey, nous, on porte le même linge pendant des semaines, on est sales de même. Eh oui. Bon, ben. Il suffit de trouver le passage vers la fin, rendu là. On a tout fait. Ah, c'est vrai, il est gros le donjon. Un gros donjon. C'était le plus caché de la gang, le 8, je pense. Que c'était juste un arbre qu'il fallait que tu brûles. Mais il était pas bien caché, non, parce il était pas sur le chemin, caché, mais quand même. Possible. Moi, j'avoue que c'était un des premiers qu'on trouvait. Mais... Ouais, et puis il y a même des fois que je me rappelle l'avoir fait quasiment avant ben d'autres. Je pense que c'est le. Il y a de quoi que tu peux pas faire, par exemple. Je me rappelle, il n'y avait pas ça dans le donjon, c'est bon ça. J'ai un petit peu abusé de ces des monstres-ci. La carte. On l'aurait de droit. Je sais pas ça. Je ne sais pas. Je pense que c'est plus grand qu'avant. Mais c'est juste pour me manquer pas de. Ah, c'est dommage. C'est un gros donjon quand même. Bonne préparation pour le monde. Une bombe. Mais t'as une bombe à côté si tu veux. Si ça vous offusque qu'on ramasse pas les sous pis ça vous angoisse, un autre! C'est qu'on est rendu maxé, je sais pas si vous avez remarqué, puis ça tire des flèches, ça prend plus des. Tirer des flèches, ça prend plus des sous, donc on sait plus comment dépenser notre argent. On
J'entraîne toujours une potion rouge que je faisais jamais dans Zelda. Oh, non. Bien visé. Paye, sale mur. Non. Fais juste des moins restes vis-à-vis en faisant des gauches droites. Ça va être plus simple. Yeah! Look. Ouais, insta-kill. Et en haut, je pense en haut, si c'était la clé. Alors, j'aurais accepté du tout d'un coup. J'ai donné une casque. Un petit coup d'épée, puis il meurt tout à l'heure. Ah! On avait besoin du compas. D'ailleurs, le compas n'indiquait même pas le trésor dans un dungeon. Il indiquait juste l'emplacement du boss. C'est tout. J'ai pas rien d'autre à dire. C'est plate comme information. Peut-être les gens sont fâchés parce qu'on a vraiment passé vite par-dessus le donjon de l'écarne. Ouais, je comprends, on est juste allé direct au bon endroit, on n'a pas été chercher la map ni le compas. C'est un beau gros donjon là, il est rempli de pièges en plus, rempli de faux boss puis de trappes qui se referment derrière toi puis qui te ramènent au début. C'est un beau donjon détestable. Mais je le connais par cœur. Oh! Il y a deux trésors quand même. Le grappin long. Non, le grappin long. C'était pas un trésor, là. C'était un lebouc, puis c'était. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, c'est vrai. C'est lui. C'est en bas qu'il n'y a plus de trésor. La clé, hein. Je veux la clé. Non, il n'y en a pas. Je veux la clé. Il n'y en a pas. Je veux la clé. Ah, bah ben oui. On est plein partout. Les items commencent à disparaître. On peut cliquer un petit peu parce que trop de loading. Bon, je m'en vais comme ça, lui. Bon, ça n'a pas été. Hein? Ça doit être une pièce plus basse. Puis... Je pense que ça va être les téléports. Ben, pas un téléport. Un escalier, tout à l'heure. Je l'ai pas fait apparaître, je pense. Mais il y avait même pas ça dans le monde, c'est vrai. Ah, vieux temple, ramasse du sol. Est-ce que t'as trempé ton épée? T'as-tu trempé ton épée? Oui, monsieur, on l'a fait. Mais en fait, on l'a pas vraiment trempé, c'est... On l'a eu déjà trempé. Un vieux monsieur l'avait trempé pour nous, notre épée. Bon, dis même, c'est spécial, mais... C'est la vérité. Prends ton cœur. Yay! C'est bizarre, ça. Quoi? J'ai pris une fée, puis... Merci. Les fées remplissent juste trois cœurs, c'est... C'est ça, l'affaire. Ah. Notre magie se remplit. On s'en sert pas beaucoup. La la la. Et voilà. Donc le huitième donjon est terminé.